Dans le cadre de l'évocation de la Conférence nationale souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Pour apporter quelques éclaircissements à propos de l'histoire sur les événements du 13, 14, 15 août 63. Je suis en quelque sorte le témoin malheureux, mais afin qu'il ait vécu, qu'il ait survécu. En 63, effectivement, j'ai pris part aux événements de la Révolution. Lesquels événements nous ont conduits à ce que nous avions appelé les mouvements du 13, 14, 15 août 1963. Les syndicalistes dans la salle sont présents, l'armée est également représentée de par ma personne et par tant d'autres. J'ai entendu également le colonel Moussaka, mon aîné, et qui a brossé les quelques étapes un peu de ces événements de 63. Je n'y reviendrai pas, mais je voudrais en quelque sorte apporter quelques corrections. Les quelques corrections touchent certains points, notamment le rôle de l'armée. En 63, et dire même en 60, quand le pays a connu l'indépendance, nous sommes arrivés les premiers. Nous avons haut et fièrement porté le drapeau de la République du Congo à l'indépendance lors de la cession de ce pays et à la mairie, lorsque le ministre Malraux prononça haut et fier cette proclamation. Nous étions les seuls, nous étions trois, Moussaka, Mzabakani et Raoul. Et nous sommes repartis pour suivre nos études. Nous avons été rappelés par le président Youlou un an plus tard parce que l'africanisation s'avérait nécessaire. Je suis revenu parce qu'étant le plus jeune, assumé de par la forme ce qu'on appellerait le protocole de l'indépendance. Et je fus le témoin de partout, dans toutes les manifestations, pour rehausser l'armée dans son rôle de dirigeant et dans son rôle de gardien de l'indépendance. C'est à cela que vous m'avez vu, jeune ou pas jeune, d'aucuns aujourd'hui accusent un certain âge, j'ai aujourd'hui dépassé la cinquantaine, je peux aujourd'hui me dire que je suis devenu un des témoins, pas les moindres, qui n'ait vécu, pas dans de bonnes conditions, les 30 ans que nous connaissons aujourd'hui. Mais au moins, je me réclame d'avoir survécu. Tous ces événements, je les ai vécus dans le malheur, condamné à mort trois fois. Cela ne m'a pas du tout indigné. Et en 68, 69, nous avions réclamé au cours d'un tribunal populaire qui s'est tenu à la mairie la tenue de la table ronde. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de nous retrouver parmi nous dans ce que nous appelons la conférence nationale. C'est ce que nous souhaitions en 68, 69, quand aucun disait le manifeste du Poule, c'était un manifeste à caractère tribal. Il ne l'était pas. Nous n'entendions qu'une seule chose, c'est que les fils de ce pays se retrouvent, causent, discutent leurs problèmes. Aujourd'hui, nous en sommes là. C'est ma fierté et je peux en être fier encore. Je m'en réjouis. Nous sommes arrivés en 63. Je ne vous dis pas ce qui s'est passé avant. Nous étions des jeunes cadres et la colonisation avec sa politique, sa stratégie, celle qui consistait en quelque sorte dans un premier temps à placer les nationaux en sous-ordre. En sous-ordre d'abord pour une période d'apprentissage. C'est cette période que nous avons connue nous au niveau de l'armée.
Et au niveau de la fonction publique également, je crois que c'était les mêmes choses. Mais en 63, nous nous retrouvions devant les réactions des syndicalistes. Mais les syndicalistes, il faut dire la vérité, que vous le vouliez ou non. Est-ce que nous voulions, ou les syndicalistes voulaient le départ de Youlou? Absolument pas. Les thèses, c'était justement acharné sur les revendications salariales. C'était les revendications salariales. D'aucuns participaient avec Youlou. Hein, d'aucuns aussi étaient des conseillers politiques de Youlou. Mais malheur est de constater que dans tout ce que nous disons, il y a toujours un faux visage. Un faux visage. C'est ce que je souhaiterais que la conférence ne connaisse pas justement ce faux visage et que nous allions droit au but, comme le dirait le bon militaire. En 63, l'armée aussi avait ses problèmes. Il n'y avait pas que les syndicalistes, il n'y avait pas que les civils. Mais l'armée avait ses problèmes. Nous étions au maximum 600 hommes. Donc, trois compagnies. Deux à Brazzaville, une à Pointe-Noire. De Brazzaville, la première était commandée par moi, c'était la première compagnie congolaise. La deuxième, commandée par le lieutenant Mwabi. Et la troisième, le lieutenant Ebadeb. En 63. Et de cela, j'avais sous mes ordres le capitaine, le lieutenant Yombi. Et avec l'actuel président, il était à l'époque aspirant, le sous-lieutenant à l'aspirant Sassou. Le mécontentement qui avait grandi, qui avait gagné un peu la sphère politique civile, avait également rejoint le milieu militaire. En quoi cela? C'est tout simplement parce que certaines exigences, certains critères, certaines conditions inadmissibles étaient imposées à mes soldats. À savoir le célibat pendant 10 ans, qu'en aucun moment, aucun militaire ayant contracté engagement dans le cadre des forces armées congolaises ne pouvait se marier. Vous comprenez, 10 ans, ce n'était pas chose facile, ce n'était pas chose aisée. Sachant la population que représente le Congo, à cette époque-là que représentait le Congo, c'était difficile, il fallait les maîtriser. À certains abus également politiques, hein, également, nous dirons qu'il était difficile de contrôler, de maîtriser les troupes. Et on nous avait amené aussi à des prestations de serment pour fidélité. Parce que nous avons juré hein, devant le président de la République de l'époque, le président Youlou, à ne pas justement desservir, à ne pas désobéir. Mais en 63, force était de constater que vraiment tout cela était du devoir de l'armée qui était apolitique de sauvegarder les acquis de l'indépendance. Et aujourd'hui, je crois que si en toute quiétude, en toute liberté, nous pouvons nous asseoir ici, discuter librement, mais c'est grâce aujourd'hui à la neutralité de l'armée, hein, à ce que vous aviez réclamé hier, l'apolitisme de l'armée. Et je crois que nous ne pouvons que jeter des fleurs à l'endroit de ceux qui aujourd'hui dirigent, conduisent de main de maître hein, cette armée populaire qu'on appelle populaire, qui s'appellera plus populaire demain. Ce sera les forces armées congolaises. Voilà. Hein. Ça, c'est important. Nous sommes donc arrivés en 63. Mais en 63, l'armée est restée dans la neutralité. Elle est restée dans la neutralité. Pourquoi? Parce que d'abord, il y avait ces forces françaises. Nous occupions le camp du 15 août. Le camp du 15 août. Nous n'occupions que le quart du camp 15 août.
et les trois quarts étaient occupés par l'armée française. Et nous avions au-dessus de nous ce que j'appelais tantôt l'encadrement technique, c'est-à-dire les Français. Mais la parole ne nous revenait pas. Ces événements de 1963, avec la participation des syndicalistes, ont dû nous ouvrir les portes pour que nous aussi nous nous exprimions. Pour que nous aussi nous nous exprimions. C'est en cela que nous avions pris une part active. Mais pas dans le désordre, parce que nous n'estimions pas que dans un pays qui se voulait de droit, que le désordre s'installe, surtout que c'était une jeune armée. Et nous avions, tant bien que mal, participé à porter notre concours à ces événements. Les événements tels que d'auxquels les décrivent ici. Mais ils sont cousus d'erreurs, parce que chacun de ceux qui les décrivent entend peut-être y tirer le maximum de l'heure. Mais je dirais non, nous ne devons pas fausser l'histoire. L'histoire est là, elle est intacte, nous devons la redresser. C'est en cela que j'interviens. C'est en cela que j'interviens. Le 15 août, mais les syndicalistes, ils avaient leurs problèmes et ils les ont suivis. Nous sommes arrivés, nous, le 15 août, au matin, en plein palais, alors que Bakongo et Potopoto avaient déferlé sur le palais. Nous avons été chercher les syndicalistes. J'avais ma jeep. J'avais dans ma jeep le général Yombi, le président Sassou, et nous sommes allés tirer dans les masses qui entouraient le palais. Tous les syndicalistes, pas tous, les Boukambou, peut-être pas les Boukambou, mais tous ceux qui se reconnaissent, l'erreur est humaine. Et je les ai amenés au camp 15 août. Au camp 15 août, je les ai amenés. Et quand tu as de l'époque, je leur ai demandé, qu'est-ce que vous vouliez effectivement? Parce que jusque-là, entre vous et nous, le courant ne circulait pas. Nous étions apolitiques. Alors, dites-nous ce que vous vouliez. Et alors, ils ont dit, nous avons en maintes reprises essayé de persuader le président. Il n'obtempère pas. Ce que nous voulons de lui, c'est la démission. Et c'est la démission, vous êtes prêts? Oui, nous sommes prêts. Bon, s'il en est la chose, mais nous repartirons au camp, au palais. Et nous sommes repartis au palais. Hein? Nous sommes repartis au palais et nous sommes rentrés par la porte de derrière. Et on nous a reçus au premier salon, le grand salon du palais du peuple. Nous sommes rentrés. Et ensuite, nous nous sommes installés dans le grand salon. Nous avons fait descendre, nous avons fait appeler le président de la République. Le président de la République est descendu. Et les syndicalistes ont conversé avec eux, avec lui, pour lui dire que monsieur le président de la République, le peuple n'a plus de ta confiance, ne dit plus de ta confiance, il ne peut plus mériter la confiance du peuple. Alors, nous te demandons de démissionner. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé de cette sorte. Et le président Youlou est remonté à l'étage. Il est remonté pour réfléchir. Le colonel Moussaka l'a suivi. À l'époque, nous étions capitaine. Il l'a suivi. Et le président a démissionné. Il a remis la démission au capitaine Moussaka, qui était mon aîné. Hein? Qui est mon aîné, jusque-là. Et ensuite, le président Youlou est redescendu devant les syndicalistes. Il a dit oui. Non seulement ça, j'avais oublié un aspect du problème. Avant de démissionner, il avait téléphoné au général de Gaulle. Il a téléphoné au général de Gaulle et nous étions à ses côtés. À ses côtés, et quand le général a répondu par la négation, il a dit « Je démissionne ». Il est monté et c'est à la suite de cela qu'il a fait sa démission.
il l'a posée, il l'a remise au capitaine Moustaka. Nous, armés, officiers de l'armée, avec les syndicalistes, l'attendions ou les attendions au salon, au grand salon d'honneur. Et il est descendu. Quand le capitaine Moustaka nous a vendu la démission, les syndicalistes étaient rassurés. Et au président Youlou de dire, je vous remercie, mais je m'en vais selon la tradition, comme le dit Monseigneur, demain nous serons appelés à laver les mains hein, dans cette grande cuvette, selon la tradition congolaise. Et en cela, il a eu le courage de dire que je m'en vais, mais pour moi, pour l'honneur, pour ce que j'ai incarné, hein, comme respectabilité, comme respect dans ce pays, nous devons sabler une coupe de champagne. Alors, aucun président demain ou aujourd'hui ne le fera. Hein? Et les syndicalistes, c'est nous, militaires, nous l'avons fait. Aujourd'hui, on ne se présente pas ici pour dire non, c'était un démoniaque. Non, c'était un chrétien. Je ne défends pas Youlou parce que je suis de son parti, non. Mais reconnaissons les valeurs, les hauteurs des individus, les hauteurs des personnes. Et il a démissionné, nous avons bu ce champagne. Ensuite, tout le monde a vidé le camp, a vidé le palais. Ayant vidé le palais, ce 15 août, c'est M. François Itoi qui, en pleine 13h15, qui m'appellera de côté pour dire, mais le pouvoir est vacant, mais il faut une publication, c'est-à-dire qu'il faut un discours. Et ce discours a été rédigé par M. François Itoi. Le discours qui passe tous les 15 août à la radio, c'est l'œuvre de M. Itoi. C'est ce discours que j'ai lu. Reconnaissons donc les valeurs, retraçons l'histoire de ce pays. Ne détournons pas nos enfants de l'histoire. Hein? Le 15 août, le 16, tout le monde a vidé le camp, tout le monde a vidé le palais. Nous nous sommes retrouvés là, l'armée, les syndicalistes étaient partis. Et le soir du 15, ils sont revenus parce qu'il faut trouver, il fallait trouver un président, il fallait trouver quelqu'un. Nous avons fait le tour d'horizon. Nous avions estimé que le président Massamba Déba, à l'époque, ancien président de l'Assemblée nationale, faisait la chose, faisait l'honorabilité, c'est-à-dire l'engagement de tout le monde. Et nous avions dépêché une délégation sur Boko, qui était composée d'ailleurs de Kikadidi, il y avait Mazela et il y avait Lelo. Ils sont allés le chercher, ils sont rentrés à 3h du matin. Et le président, à 3h du matin, quand il est arrivé, le président Massamba Déba, et il était surpris. Il dit, c'est ce qui s'est passé? Je dis, oui, mais vous avez dû suivre d'assez loin les événements. Et nous avons maintenant besoin de votre concours pour que le pays redémarre sur des bases nouvelles. En aucun cas, en aucun moment, l'armée n'avait voulu du pouvoir. La formation qui nous était donnée hein, n'était pas celle de s'embourber hein, dans les choses politiques. Nous étions là pour sauvegarder, pour servir de tremplin, hein, servir de dernier paravent et au grand regret après de constater que l'armée se politisera. Et c'est en 64, après le départ du président Philbert Youlou, après que j'eusse fait, que j'eusse conduit une délégation militaire en Chine, dans laquelle étaient composés les Yombi, les Sassou, les Poignets, ainsi de suite, j'étais chef d'état-major à l'époque-là. Hein? Donc, nous sommes revenus. Nous sommes revenus dans ce pays pour dire que si jamais nous nous embourbions dans cette affaire que nous appelons la politisation de l'armée, le pays sera voué au désordre, à l'échec. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui.
Seigneur, je ne vais pas abuser de votre temps, mais j'estimais que certains points devaient apporter, devaient avoir des éclaircissements. Il y a d'autres choses que je saute, parce que nous sommes nombreux. Mais sachez qu'aujourd'hui, l'armée joue son rôle de dernier rempart de la nation. C'est le dernier rempart. Il n'y a pas question d'arbitre. Nous n'avons jamais été ici d'arbitre. C'est le dernier rempart de la nation. Hein? Et c'est cela qui fait notre fierté. C'est cela qui fait notre fierté. Hein? Si la conférence nationale se tient, c'est grâce à la neutralité de l'armée. Reconnaissons la valeur intrinsèque de ce qui l'anime aujourd'hui. J'ai été dit non. Nous avons commencé avec les assassinats de 1965. Nous l'avons traité en plénière. Et nous ne voyons pas pourquoi nous traiterons le problème des assassinats du président Marien Gwabi, de Monseigneur, de Cardinal Biayenda, de tous les autres assassinats qui se sont passés dans le pays en commission. Donc, en conclusion, le Parti libéral congolais souhaite ou demande, exige même que tous ces problèmes d'assassinat soient traités en plénière. Merci, je vous remercie. Nous avons ici plus d'une dizaine de demandes. Si c'est possible, d'arrêter là. Dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Pendant 3 mois, du 25 février au 10 juin 1991, s'était tenue à Brazzaville la Conférence nationale souveraine. Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale. Conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire, il y a un devoir de connaissance qui se définit, la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie. Devoir de mémoire oblige, le Forum FM Zit, la radio des droits de l'homme, et Forum TV UC, la télévision des droits de l'homme, évoque le déroulement de la Conférence nationale souveraine, fidèle à la ligne éditoriale du Forum et tenant compte du droit à la vérité. Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national, régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'État de fournir des informations aux victimes ou à leurs familles ou même à la société dans son ensemble sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises. Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquels en est venu les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice. Pour nous, la valeur curative de la mémoire est immense. C'est pourquoi le Forum FM, la radio des droits de l'homme, et Forum TV, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la conférence nationale souveraine. En 1991, les Congolais ont exigé et obtenu du pouvoir de Sassou Nguesso l'organisation d'une conférence nationale souveraine. Celle-ci, lorsqu'elle a eu lieu, a soulevé des passions de tous ordres. La conférence nationale avait pour objectif essentiel l'élaboration des règles du jeu politique. Elle a permis une catharsis nationale. Un regard critique a été porté sur 3 décennies de vie politique, de 1960 à 1990. Des résolutions ont été prises afin d'instaurer des structures et des institutions démocratiques. À la suite de cette messe nationale et après une transition hasardeuse, des élections ont tout de même eu lieu. L'espoir d'une vie sociale et politique meilleure est né. Malheureusement, cet espoir a été très vite déçu par la résurgence de pratiques condamnées à la conférence nationale. Ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des Droits de l'Homme, Maître Maurice Massingotiassé, lu par Ingrid Flora. Kere kere sangolo, my.
sans peine. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Écoutez ça. La radio des droits de l'homme, pour mieux vous informer et vous former, en route pour l'état de droit. Avec Maître Massengo Tiassé. Thank you.
Forum FM 105.8, Forum Télé 831.25, le média sûr pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour mieux vous informer et vous former en route pour l'état de droit. Avec Maître Massimo Cassé, Radio Forum FM, il y a la vérité. Télévision Forum, c'est le droit de l'homme. Radio Forum FM, la voix des sans-voix. Télévision Forum, l'expression des sans-voix. Radio Forum FM.